Part 1. White Clouds. Blue Sea Moon. The Goddess's Rite of Rebirth. Alors que le soleil se fait plus intense et les nuits plus courtes, un astre céréluin retourne dans le firmament. Demeure supposée de la déesse, dont les fidèles s'apprêtent à fêter la renaissance. Le monastère de Garegmak tient alors une cérémonie majestueuse en son honneur. Tous les véritables fidèles de l'église de Seiros assistent à cet événement tant attendu. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Three Houses. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite continuer l'aventure, évidemment. Après ce temps de chargement, par contre, parce que c'est Fire Emblem et donc il y a des temps de chargement 30 secondes et donc c'est relou. Merci. J'espère que vous allez bien. Nous allons passer une petite demi-heure supplémentaire ensemble sur Fire Emblem. On vient de finir la mission du mois, donc on va juste faire les traditionnels. Progression dans le mois, Kaspar fête son anniversaire. Envoie des fleurs. J'aimerais savoir comment va Marianne. Oui, on va lui offrir une visite. Je vous en prie, déesse, guidez mes pas. Hein? Professeur, êtes-vous ici pour prier? Je ne faisais que passer. Ah. On va dire en effet. Je vois, moi aussi je suis venu prier. C'est juste pour ça, hein, parce que je serais pas venu pour prier. Que priez-vous? Avec deux i, parce que c'est prier. Rien en particulier. Ah bon? Je remercie la déesse, ou peut-être lui demandais-je sa protection. Bon, je dois me retirer. Avez-vous le temps de discuter? Bien sûr. Oh, la pauvre, elle est toute gênée. Je suis navrée. Je n'ai vraiment rien à dire. Je suis pas doué pour faire la conversation. Le fait est qu'avant de venir ici, je n'avais pas trop de contact humain. Tu vois? Sans le savoir, tu es en train de faire conversation. Pourquoi? Il n'y a pas de raison particulière. J'ai simplement du mal. Je suis ainsi. C'était pas grave. Merci. Je suis navré, ne perdez pas de temps à vous inquiéter pour moi. Contentez-vous de m'ignorer, s'il vous plaît. Il faut que j'aille. Au revoir, professeur. C'est pas une perte de temps, je suis ton prof. Bon. Quel étrange personnage. Qu'est-ce qui se passe le 5? Alors donc, ce mois-ci, nous devons patrouiller et garder le monastère en soutien aux chevaliers qui sont occupés à déjouer un complot d'assassinat. Une chose seulement, je doute beaucoup que ces malandrins veuillent vraiment tuer l'archevêque. Ce n'est qu'une diversion. Précisément, cette note soi-disant secrète quant à un complot d'assassinat puis le faux à plein nez. Les notes secrètes, ça ne se transporte pas comme ça. Quelqu'un voulait qu'on la trouve. Selon vous, ce complot d'assassinat ne serait-ce qu'une pâle diversion? Oh, mais oui, c'est tout à fait logique. Cependant, quel est leur véritable objectif? Si je le savais, je serais moins préoccupé. Voyons, cela impliquera certainement un lieu déserté lors de la cérémonie de renaissance, non? Cette cérémonie aura lieu dans la tour de la déesse. Par conséquent, tout le reste de l'académie sera quasiment désert. Pensez qu'ils convoitent les donations faites à l'église? Il paraît que les nobles donnent plutôt généreusement. Je parie sur le réfectoire. On y trouve mille délices. Rien que de penser à leur sale patte dessus, ça me met en rogne. Séparons-nous pour mieux enquêter. Moi, je surveillerai la salle de réception. Hilda, entraînez-vous si vous trouvez le temps. Il y a de grandes chances qu'on doive se battre. Mais je vous signale que je ne suis pas la seule à devoir m'entraîner. S'en prendre ainsi à moi est discriminatoire.
S'agit-il d'une réunion secrète, professeur? Ah, Shamir! Shamir, je te veux dans mon équipe tout de suite. Maintenant, là. Ah, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Shamir. Shamir compte parmi les membres de l'ordre de Seiros. Et ce petit garçon que vous voyez là? Je bosse pour Damrea et je suis aussi l'apprenti de Shamir. Ah, au passage, je m'appelle Cyril. L'apprenti de Shamir. Ouais, elle m'apprend à faire plein de trucs comme tirer à l'arc et manier une épée. Faut que je protège Damrea et pour la protéger, j'apprends tout ce que je peux avec Shamir. Cyril adore Rhea. Bref, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à demander. Eh bien écoute, Shamir, nous allons te le demander dès que possible. Dimanche 6. Claude aimerait vous parler, mais acceptons, évidemment. Bonjour, professeur. Vous arborez toujours le même air impassible. J'hésite. Êtes-vous résigné ou perdu dans vos pensées? Ou alors vous êtes peut-être simplement désabusé? Oh, pardon. Je ne voulais pas me montrer impoli. Je vous trouve tout simplement fascinante. Ok, il y a quelque chose dont je souhaiterais vous entretenir. Ça se dit, ça? Dont je souhaiterais vous entretenir? J'aurais plutôt dit dont je souhaiterais entretenir avec vous, mais pas grave. Pourriez-vous m'accorder une minute? Bien sûr. Voilà exactement la réaction que j'attendais d'un nouveau professeur. J'y pense. Vous étiez mercenaire avant de venir ici, toujours à combattre sur les champs de bataille. Il est surprenant que, du jour au lendemain, vous ayez décidé de devenir professeur. Cela fait un moment que je voulais vous demander. Est-ce votre père qui vous a appris à l'art du combat? Je dirais oui. Je m'en doutais. Il était à la tête de l'ordre de Seiros, n'est-ce pas? On m'a aussi rapporté que c'était un mercenaire incroyable. J'imagine difficilement le chagrin de votre mère en voyant suivre les pas de votre père pour devenir mercenaire à votre tour. Je n'ai jamais connu ma mère. Rip. Ah, alors vous avez grandi sur les champs de bataille aux côtés de votre père. Ouais. Vous savez, nous avons le même âge, je trouvais donc étrange que vous soyez aussi posé et calme. Mais je suppose qu'il est normal que vous ne soyez pas comme toutes ces jeunes nobles qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Vous n'avez pas l'air d'un noble, vous non plus. Un peu plus quand même. Et pourtant, je suis héritier légitime de la famille Regan, la famille dirigeante de l'Alliance. Alors, dans ses manières, non. Mais dans la tenue, oui. Hein. Faut le dire. Mais des trois, c'est celui qui se comporte le moins de manière noble. Dimitri, c'est le plus. Et Dolgard aussi, un peu moins quand même. Toutefois, il est vrai que moi non plus, je n'ai pas grandi dans le même luxe que la plupart des enfants de sang bleu. C'est peut-être pour cela que nous entendons bien vous et moi. Restons soudés. En tant que délégué de maison, je ferai de mon mieux pour vous aider. Nous devrions nous voir plus souvent. Okidoki. Okidoki, Claude. Honnêtement, je sais même pas pourquoi il y a un nom en fait. Qui, mais non. On est d'accord? Qui va mettre nom à la rencontre du dialogue là? Je sais pas. Après, ça te donne un choix pour. Si t'as envie de faire une route où tu te t'entends vraiment très mal avec Claude. Pourquoi pas, hein? Je sais pas comment ça a été intégré ça. Vous voulez vous explorer le monastère? On n'a pas le choix, donc on va faire ça. Panneau d'affichage. Passion de brigand, blablabla. Découvrez les tournois de combat. Allez hop, on va se téléporter. Point, point, point. Et professeur. Oh, salut professeur, je lisais cette lettre que mon père m'a envoyée. Vous le connaissez, c'est une des têtes pensantes de l'Empire. Il m'écrit en général pour me demander comment se passe mon entraînement, combien de monstres je passe à tabac, ce genre de trucs quoi. Très intéressant. Est-ce que tu veux venir? Je vais vous dégourdir les points. Non, bon, je vais pas vous forcer. Non, je peux pas aller là. Il y a carrément un garde qui protège le cimetière, quoi. Hop, Petra. Tant d'assassinations. Les joueuses d'assassination est ma spécialité. Non, ma spécialité. Je vais faire de mon mieux. Personne ne semble pas encore vouloir rejoindre. Ok. C'est le cavalier, elle. Ok. Pourquoi pas. Allons à la salle d'entraînement. J'aurais pu m'y téléporter, je suis bien d'accord. Vous avez du talent, pourquoi refusez-vous de m'affronter? Ah, tu peux me former, nice. Le coup de poing. Cavalerie. Pourquoi pas?
Tournoi les épéistes. Tournoi c'est quoi? Pour les épéistes novices. Bah Anna du coup. J'ai un peu peur. C'est la plus de PV mais... Elle fait pas énormément de dégâts quand même. Il va falloir qu'on soigne déjà. Oh, elle fait 6. Ok. Bon. 5. Il y a 20 PV. En vrai, le problème, c'est que si je me soigne pas, je fais 5, il me refait 5. Je fais 5, il me refait 5. Je fais 5. En tout cas, je fais... Donc, j'ai pas besoin, en fait. Ok. Parce que je commence à attaquer. En plus, j'attaque deux fois. Du coup, j'ai pas besoin de me soigner. Ok, très bien. Ah merde, 3. Ouais, bon, là par contre. Nous mourrons. Nous sommes mourus. C'est ici que nous nous arrêtons. Bon. Ouais. Il y a 150 écus. Super. On va quand même gagner quelques trucs, ok. Salut Félix. La blason de Lonato Acerte était étouffée, mais Farius demeure en proie à une grande agitation. Plutôt que s'accrocher à la coutume dépassée, les facochères feraient mieux de rentrer chez lui au plus vite pour reprendre le trône. Mais parfait. Félix, ça rejoint votre maison. Nice. Je l'aime bien Félix, il va pas avoir à crever. Ah, quoique, on va peut-être pas affronter le royaume, nous. Je sais pas. Je sais pas trop. Bref. Douloulou. What the, qu'est-ce qu'il y a? Un problème? C'est pas parce que je cours. Je suis en talon ou pas? Ah ouais, je suis en talon. Ah ouais, donc, ouais. Je comprends les réactions, what the. Hein. Allez, va. Pour un super terreau. J'ai de la thune à dépenser. Je suis si inquiète. C'est aussi terrible si la terre était prise pour cible. Les plantes qui s'y trouvent ont une valeur inestimable. Celui abrite le cœur de l'histoire de Garrick Mac, vieille de 995 ans. Toutes ces fleurs magnifiques, ces plantes, tu as sauvé des vies. Ok. Ah, mais c'était les... Oui. Attendez, faut que j'aille la quête du délégué. Parce que dans tous les cas, j'ai besoin de parcourir le... Le monastère après. Donc on va aller là. Claude. Pour deviner les intentions de notre ennemi, nous avons besoin d'informations en grande quantité et pour le moment nous n'avons rien. Promenez-vous dans le monastère et essayez de repérer des endroits suspects. Vous devriez aussi discuter avec les gens pour découvrir ce qu'ils savent. Retrouvons-nous ensuite pour comparer ces notes. Est-ce que je peux te faire un cadeau? Prenez soin de leurs armes. Merde. Je sais pas si t'aimes l'équitation, toi. Tant pis. Il y a un truc bleu, là. Plume de chouette. Ah oui, je peux te faire un cadeau. Claude. Tiens, je te donne une plume. Et c'est parfait, merci. Honnêtement, on m'offre une plume de chouette.
À moins que j'ai un manque de vocabulaire et qu'une plume de chouette, c'est genre un truc porte-bonheur. Je pète un câble hein, si on m'offre ça. Hein. Tant d'objets précieux. Y a-t-il quoi que ce soit dans le monastère qui pourrait attirer la convoitise? Ils sont pas les objets qui manquent. Blablabla. Ok. Moi, je veux aller au marché pour recruter Shamir. What? Shamir, t'es où? Shamir, reviens. Bon, il y a Anna qui nous fait... Bonjour professeur, comment ça va? Et les affaires, ça marche? J'aimerais bien discuter plus longtemps, mais je suis super occupé à gagner de l'argent. Vous savez ce que c'est. Curieuse tendance. Ah, il y a des soutiens aussi. Oh là là. Y a trop de trucs. Il y a Gérald, Bernadetta. Où est Shamir, nom de Dieu. Y a pas Shamir. Elle est pas là. Oh là là. Je me suis fait avoir. On va aller voir Ferdinand. Qui va nous parler des chevaux. Un incendie des écuries pourrait provoquer une distraction aussi, ainsi qu'une bousculade. Je crois qu'il veut pas lui. Hein. Non. Shamir. Bah apparemment. Il y a un truc juste là. J'étais en ville, je suis allé en ville, je faisais des courses pour Flayn. Elle a dû faire face à un quelconque danger. Non, ne vous inquiétez pas pour moi, je suis bien plus fort qu'il n'y paraît. Allez va. Tout tout tout. Tout 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 loulou. Attendez, il y a un truc là. Il y a une quête juste là. Ainsi, nous devons croire Claude sur parole. Je pense que c'est beaucoup de bruit pour rien. J'ai mal à y voir autre chose qu'une blague de goût fort douteux. Je vois pas qu'il serait assez stupide pour débarquer ici et en provoquer une rixe. Tu veux pas me donner une quête, toi? Ah, service athée, pardon. C'était ça. Vous pouvez désormais augmenter votre affinité avec quelqu'un avec le thé. Très bien. Attendez, il y a un truc là. Ah, Dimitri! Toutes ces histoires d'Asina, elles font remonter en moi des souvenirs que je préférais garder enfouis. Je doute qu'il y ait un lien, mais bah, ce n'est rien. Pardonnez cet égarement. Je dois rester concentré sur la protection du monastère. Un faux voleur. Ok, ça c'était pour Cétès. Ok. Ouhou. Hello. Hop. Well done. Ah, tu pourrais me faire une formation. Formation sur... Autorité, non. On va faire ça, tiens. On va partir de ce côté. Bah non, du coup, merde. C'était pas ça que je voulais faire. Hop. Là, il y a ça. C'est où l'info? Là-bas. Connaissez-vous cette pièce? La salle au trésor de l'église. Ok. Professeur? Mais oui, je sais bien. Hop. Professeur? Professeur, professeur. Professeur Geritsa. Le professeur Geritsa me rappelle quelqu'un, mais son nom me dit rien. Cette ressemblance n'est sûrement qu'une coïncidence. Oui, j'intègre votre classe. Mais c'est ton frère en fait, donc c'est normal que tu...
que tu penses savoir qui c'est, quoi. Je crois que c'est à peu près tout. Ok, dans cet endroit, c'est terminé. Ok, très bien. Je pense qu'il y a des... trois demandes de conseils, parfait. Alors cela vous surprendra peut-être, mais je me destinais à devenir un chevalier Pégase pour admirer les paysages depuis les airs, mais ce ne sera jamais qu'un rêve. Est-ce par fainéantise, pourquoi les Wyverns nous en avaient des... Pourquoi les Wyverns nous avaient peur des chevaux? Vous pouvez y arriver si vous surmontez votre vertige. Je n'ai jamais été doué en calcul, alors parfois je me fais mourouler quand je fais les achats. Seulement, je pouvais trouver un moyen de m'améliorer. Demandez de l'aide à un ami, écrivez-vous des tas de calculs sur les mains. Demandez de l'aide à un ami. Hop. Je ne suis absolument pas amateur de thé que l'on vous sert au monastère. Alors, pensez-vous que quelqu'un ici aurait du thé digne d'un noble? Lorenz me semble tout indiqué. Bah, c'est imparfait. Mais c'était facile. J'ai trouvé H. Allo, visiter la tour de la déesse. C'est un lieu sacré qui sert au rituel dans tout genre. En général, les étudiants n'y sont pas accès, mais évidemment, cette attraction fait catiser leur curiosité. Ok, on s'en fout. Après, je peux faire une formation. Formation en point. Allez, hop, let's go. Plap, 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 plap. Professeur, c'est moi. Non, toujours pas. Non, mais j'y suis, mais c'est pas dans le bon côté. Ok. Ah, ça c'est un élève. Le monastère est si grand, comment pourrions-nous bien établir une liste de six potentiels? Messieurs, les seules lignes dignes d'intérêt sont la salle au trésor, la bibliothèque et c'est tout. Très bien. Bah non, je pensais pas. C'est par où? Ah, c'est au fond. D'accord. J'avais oublié qu'il y avait une petite salle. Le jour de la cérémonie, le monastère sera ouvert au public, y compris le mausolée sacré. Ok. Carnet. Professeur, je crains de m'être comporté de façon parfaitement immature envers mon frère dernièrement. Malgré la situation, je lui ai demandé de m'apporter des bonbons. Je me sens idiote, ce n'était pas du tout le moment, et maintenant je suis rongé par le regret. Ah, mais avant que j'oublie, professeur, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Celui est ouvert au public que le jour de la cérémonie de renaissance de la déesse. Eh ben, tu vois, bah les couilles. On va aller là. Je suis étonné de ne pas voir Shamir. Ok, ça c'est bien. Jardinage de A à Z. Cette bibliothèque contient un bon nombre de livres que vous trouvez nulle part ailleurs. Le fait qu'ils soient interdits ne fait augmenter leur valeur. Ouais. Jeter des livres. Mon dieu. C'est dommage, hein. Parce que dans le futur, ils les auront plus. Alors, cette histoire fait froid dans le dos. Incroyable, cette histoire fait froid dans le dos. Néanmoins, comment pensez-vous que l'objectif soit d'autre qu'un simple intérêt? Me voilà intrigué. Je suppose que tous les objets inestimables de cette pièce pourraient attirer les voleurs, mais je suis le seul à même de m'en servir. Donc, c'est peu probable que l'on s'en serve. Rien de plus satisfaisant que le travail bien fait. On va essayer de progresser dans les endroits. Trouver les précieuses informations. Elle se trouve dans un combat, ça. Ah si, Shamir est là. Parfait, ça. Shamir. Vous avez trouvé Edelgard. Chaque bataille voit son lot de morts, que ce soit par l'épée ou la magie, mais tous les morts ne se valent pas. Certains morts ont plus d'impact que d'autres.
On s'en meurtrit quand on perd un proche. J'espère que l'ingrat arrivera ce mois-ci. Qu'est-ce que tu fais encore dans cette classe, toi? Oh, vous avez aussi pour ordre de défendre le monastère. Attendez-moi pour une simple lettre. Mais je suppose que la sécurité de l'archevêque est trop importante pour que l'on se prenne permettre de l'ignorer. Ouais, surtout que toi, ça t'arrangerait bien qu'elle crève. Hein. Shamir, où es-tu? Ça qui m'importe, moi. Où ça? Ça me l'a pas dit. Elle est là. Elle est au bout du monde, ok. À l'autre bout du monde. Je pourrais parler à Raphaël. Je parie que l'ennemi a mis au point cette histoire d'assassinat pour se faufiler tranquillement dans le garde-manger. Vous en pensez quoi, professeur? Bon, un peu que j'ai raison. Mon instinct m'a dit que l'ennemi en veut à nos meilleurs morceaux de viande. Ouais. Bon. On lui a dit ça pour pas le froisser, hein, mais... Je ne crois pas, non. Shamir! Qu'est-ce que vous voulez? Vous passez trop de temps à vagabonder dans le monastère. Si vous cherchez quelque chose, vous ferez mieux d'arrêter de tourner en rond. Je pensais aux objectifs de l'ennemi. Savez-vous au moins qui est notre ami? Comment voulez-vous connaître son objectif si vous ignorez à qui vous avez affaire? Ça ne me regarde pas après tout. Je suis juste là pour m'occuper des ennemis qui s'approcheraient. Non, je peux pas là. Je peux pas lui demander. Shami, rejoins mon équipe. Bref. Professeur. Oui, élève. Blablabla, qu'a terminé. Plume de chouette. Un jour, la cérémonie du public aura très facilement accès, c'est forcément, n'est-ce pas? Le mausolée sacré. En plein dans le bille. Nous ignorons encore les intentions de l'ennemi, mais à coup sûr, ils visent le mausolée sacré. J'ignore qui est responsable de tout ça, de ce remue-ménage, mais c'est impénible. Tout le monde est le garde, et de notre étude d'entraînement a été réduit peu de chagrin. C'est en effet très pénible. N'est-ce pas? Pour le moment, faisons notre mieux pour trouver l'ennemi à nous en débarrasser. Il semble que le seigneur Lonato n'était pas le seul à s'opposer à l'église. Je n'aurais jamais cru que de telles forces puissent exister. Nous ne connaissons qu'une partie infinie et infime de ce monde. Il semble normal que l'église ait des ennemis. Vous dites sûrement vrai. Les deux m'allaient comme réponse. On n'a plus rien à faire. Hein. On est d'accord. On va aller faire des soutiens. Lorenz avec Dorothea. Ah, Dorothea, vous êtes plus que jamais belle à en faire pâlir d'envie les fleurs les plus somptueuses. Ah, Lorenz, je constate que vous êtes toujours aussi beau parleur. Je ne dis que la vérité, mais vraiment que la parole en fait. Je dois vous quitter. Je vous souhaite une agréable journée. Les rumeurs étaient donc vraies, c'est bien dommage. Plaît-il? Des rumeurs à mon sujet. On dit que vous êtes toujours prêt à faire le joli cœur auprès de ces dames. Mais que vous trouviez n'importe quel prétexte pour égoutter vos conversations avec les roturiers. Et c'est exactement ce que vous venez de faire. Est-il si déplaisant de converser avec notre espèce? Cette question est pour le moins directe. Il va sentir que mon comportement est on ne peut plus le justifier. Je suis l'héritier de la maison Gloucester. Il est donc tout naturel que je sois à la recherche d'une épouse, du statut social approprié. De plus, l'alliance n'est pas un monolithe. Il ne faut choisir quelqu'un qui servira à la renforcer. Je suis pourtant certaine que vous pourriez trouver votre bonheur parmi la plèbe. Je n'en suis pas si sûr. Celle qui deviendra ma femme devra intégrer la haute société, que cela lui plaise ou non. C'est un monde de protocoles, de convenances et de bienséances. Une paysanne n'aurait aucune chance de s'y habituer. Quant aux bénéfices qu'une famille de prolétaires pourrait apporter au Gloucester, je n'en vois pour ça dire aucun. Je m'en doute. Bien, il semble donc que toute amitié entre nous soit avouée à l'échec. Et voilà une conclusion quelque peu théâtrale. Vous recherchez la génétrice de la prochaine génération de Gloucester, je cherche quelqu'un avec qui partager ma vie. Vous ne considérez même pas comme une partenaire potentielle et vous n'en êtes pas un pour moi non plus. Enfin, je ne compte pas vous ignorer, nous sommes tous amis ici. Cependant, n'espère guère plus que le strict minimum. Et là, le soutien, il va augmenter. Loul. Licitia et Marianne. Ils ont l'air de bien s'entendre, ces deux-là. Oh, voilà Marianne. Licitia, pourquoi cette agitation? S'est-il passé quelque chose? Il y a eu un accident sur le terrain d'entraînement, un sort qui a mal tourné. Venez avec moi, on a besoin d'aide. Oh non, mais je ne sais pas ce que je pourrais. Si on ne fait rien, la situation pourrait rapidement dégénérer. Allez, dépêchez-vous. Je ne pense pas pouvoir aider.
Oh, mais c'est pas vrai, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas essayé. Ne décrétez pas que vous êtes inutile sans même avoir vu la situation. Pff, ok, laissez tomber, j'y vais toute seule. Vous n'avez qu'à rester ici à regarder les murs. Oh, la violence. Je suis désolé, je ne suis vraiment bonne à rien. J'y suis peut-être allé un peu fort. Oui. Et Marianne, vous avez une minute à m'accorder? Écoutez, je suis désolé de vous avoir parlé comme ça tout à l'heure. Il fallait agir vite et je n'ai pas réfléchi à ce que je disais. Je n'ai pas dû être aussi dur avec vous. Je vous ai blessé, n'est-ce pas? Non, ne vous en faites pas, tout est de ma faute. Quoi? Mais, hé, vous allez bien? C'est moi qui devrais m'excuser. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est vous faire perdre du temps. Si je ne vous avais pas ralenti, vous auriez pu secouer les gens au terrain d'entraînement bien plus rapidement. Hein? Une seconde. Tout est de ma faute. Tout est toujours de ma faute. L'accident était probablement de ma faute, lui aussi. Waouh. Vous êtes si négative. Je ne sais pas quoi dire. Bah, c'est un peu... Faut faire quelque chose, là. Faut aller faire quelque chose. Faut aller aider Marianne. Marianne a besoin d'aide. Bref, nous allons nous arrêter là pour cet épisode. On a appris pas mal de trucs, de nouveaux trucs, de nouveaux soutiens, finalement. Et ça qui est intéressant sur cette première partie, parce que le reste des combats, on les a déjà faites, donc... cette partie des soutiens et des dialogues entre les personnages que nous ne connaissons pas, qui est intéressante, je trouve. Donc, merci à tous de l'avoir suivi, puisque c'était un épisode assez riche en ça, finalement. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde.